étaient 1600 sportifs à attendre ce 24 mai 2018 que la torche spéciale Olympics allume la flamme de l'espoir de la cérémonie d'ouverture des National Games Genève 2018. C'est à Berne que tout a commencé. Puis la torche est passée par Morat, Fribourg, Payerne, Moudon, Yverdon-les-Bains, Orbe et Chaland, Cossonay, Lausanne, Nyon et Versoix. Sous la grisaille, dans les villes, sur les trottoirs et les routes, sur les pavés, au milieu des champs, dans les villages, sous la pluie, la torche a continué à avancer en brûlant. Il y a eu une seule flamme, mais tellement de mains pour la porter. Beaucoup de mains, vraiment beaucoup de mains. La Final Torch Run Special Olympics, ou Law Enforcement Torch Run, a été créée en 1981 par le chef de la police de Wichita au Kansas, Richard Lamunion. Il a organisé cette Final Torch Run pour promouvoir le mouvement Special Olympics. Aujourd'hui, ce sont 45 pays qui organisent les torches Special Olympics à l'occasion de Jeux mondiaux, nationaux et régionaux de Special Olympics. Pas plus vite à plusieurs, mais on court certainement mieux. Alors la torche a entraîné beaucoup de monde avec elle. Tous ceux qui voulaient être de l'aventure, ceux qui pouvaient courir et tenir la torche, ceux qui pouvaient simplement la tenir. J'ai passé une excellente semaine depuis Berne. Il y a eu beaucoup d'ambiance, je trouve que c'est génial. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu de l'émotion, ça m'a vachement touché de voir les gens sourire. Il faut que ça continue comme ça un peu partout, jusqu'à Genève. Le plus incroyable qu'elle ait fait, courir sur la piste de l'aéroport de Genève de nuit. On savait que tout était possible en portant cette torche, alors on l'a fait. Et finalement, la torche a allumé la flamme de l'espoir. Final Torch Run, c'était un très très grand succès. On est très fiers de tout ce qui est arrivé, de toutes ces personnes qui ont aidé de faire un tel succès et une telle organisation. On est très très contents et c'est un grand remerciement à tout le monde qui a nous aidé pour réussir avec cette Final Torch Run. Merci à tous ceux qui ont accueilli cette torche spéciale Olympics.
dans les petits villages, les villes et les grandes villes. Ce sont des signes forts de considération et de solidarité. La torche a aussi été portée par des sportifs connus. C'était leur façon de dire que tous les sportifs, de toutes conditions et capacités, font partie de la même famille. Il y a eu les partenaires, qui étaient là aussi pour la recevoir. Et à chaque étape, plein de monde quand elle arrivait. Les gens organisaient des animations, alors la torche a fait la fête avec eux. Peut-être, c'est qui cette torche? C'est tout le monde. Les jeunes, les enfants, les moins jeunes, les assis, les debout, les marcheurs, les coureurs, chacune et chacun, on est différents, comme tout le monde. Et ce qui réchauffera encore nos souvenirs pendant longtemps, c'est elle, la torche, symbole de toutes les personnes en situation de handicap mental.